Famille, ce que je m'en vais vous présenter là, c'est uniquement pour ceux qui ont les oreilles pour entendre et ceux-là qui ont les yeux pour bien voir. Alors, écoutez attentivement et regardez bien. Et ça va péter! Vous allez fuir! Seigneur! Honnêtement, vous n'avez pas honte. Ok, vous avez écouté. Bon, ici on n'écoutait pas, on voyait seulement. Cette fois-ci maintenant, écoutez attentivement. Les aiguilles, non, c'est la guerre. Écoutez. Ça fait trois fois qu'il passe ici. Dieu me dit, bénis le fruit devient riche. J'ai dit non. C'est le troisième me dit, bénis le pour qu'il devienne riche. C'est la troisième fois qu'il m'a dit ça que tu venais te chercher. Comment ça va? Bien, pas. Ta mère prie pour toi nuit et jour. Oui, hein? J'entends le bruit de ses prières dans le règne de l'esprit. Oui, papa. Elle crie, elle pleure, elle jeûne, la nuit elle est debout, tu es tout son espoir. Oui papa. Elle compte, parce que je vois après toi, je vois des filles. Des oui, filles, oui papa, oui filles, papa, filles, oui papa. Elle compte sur toi pour toute la famille. Oui papa. Et de la voir fatiguée déjà. Oui papa. Dieu m'a dit de te dire, dans les deux prochaines années, oui, papa, tu seras tellement riche. Amen. Yes. Amen. Je suis en train de te voir octobre, février. Écris mes dates, quelqu'un écrit ça pour lui. Octobre, février, juin, décembre. Et devoir faire quatre pays en Europe. Amen. Amen. Yes. C'est de la sauvagerie. Waouh. 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 Beaucoup de comédiens à l'église. Hein. C'est-à-dire que le gars ne te dit même pas que tu auras un boulot, que tu vas décrocher un boulot de tel endroit qui va te rendre riche. Mais tu seras seulement riche. Même si tu te couches à la maison. Sera ce mariage. Bref, j'ai dit, on ne commente pas. C'est à la fin. Troisième vidéo, c'est le pasteur Maslow. Il se moque des pasteurs qui passent le temps à faire tomber les gens à l'église. Écoutons sa version. Si je vais imposer les mains aux frères, je prie et la puissance de Dieu le touche. Mais s'il ne tombe pas, hey, frère Akouipe, Anza. Godness! Non, il n'y a pas d'anti-onction. Il n'y a jamais une église qui ne tombe jamais à l'église. Qui ne tombe jamais. Je cherche quelqu'un qui tombe jamais. Il y a des gens qui tombent jamais. Venez, venez. Il y a des gens qui sont anti-tombés. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que quand tu rencontres un frère comme lui, un anti-tombé. Parce que moi, c'est une leçon. Moi, tout ce que je vous dis là, je l'ai appris vraiment par expérience. Je suis allé une fois à l'Unikin. On dit, venez, vous allez imposer. Venez, on va imposer les mains aux étudiants. Alors, on venait d'avoir l'onction nouvellement. Tu sais, quand tu as l'onction nouvellement, hein, tu veux tout le temps tester l'onction. Alors, tu vas d'une rangée à une autre. Tu touches, les gens tombent. Tu touches, les gens tombent. J'entends, les gens tombent. Et puis, boum, je tombe sur quelqu'un là, il tombe pas. Et maintenant, on a deux tchèboué. Donc, Jido Penza, Jido. Maintenant, quand je lui fais ça, il m'a fait, ah, tiens ma main, n'aie pas peur. Il m'a fait, hé, hey, bonigo. Et puis, je suis resté comme ça. Je dis, au fait, il n'a pas tort, hein. Pourquoi je veux seulement qu'il tombe, hein? Et puis, tu m'as dit, Marcelo, est-ce que je t'ai envoyé être judoka ou bénir les gens? Que les gens tombent, qu'ils ne tombent pas, ils sont bénis. Il ne faut pas forcer. Non, c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Parce que maintenant, il peut être là. Je l'ai fait tomber. Mais tu vois, il n'est pas tombé sous l'onction, hein. C'est les judo. Maintenant qu'elle va rentrer.
J'avais un ami qui était comme lui. Il est allé dans une église. Alors c'était vraiment un sportif. On commence à le pousser. Il a fait le pont. Tu connais le pont, hein? Bah, bah. Malgré le pont, on l'a transporté. Amobesu, hein? C'est-à-dire que... Il est conscient. On l'amène. Il dit, mais vous m'amenez où? Et puis on les met par terre. Démon sort, dit, oh, démon où? Il a quitté cette église pour du bon. Il y a des gens qui quittent les églises seulement à cause de l'imposition des mains. Alors, celui qui impose les mains doit imposer les mains avec humilité. C'est pas parce que quand je le touche qu'il n'est pas béni. Est-ce que Jésus était tombé? On dit seulement qu'il a reçu la sagesse. Il y a des gens, tu toucheras, il tombera. D'autres, ils ne tomberont pas. Il y a des jours même, tu vas jeûner, tu sens vraiment le feu. Tu pries, personne ne tombe. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas utilisé. Et c'est ça aussi, nous, les églises. Ah! Aujourd'hui, Dieu ne l'a pas utilisé. Pourquoi? On n'est pas tombé? Pas tombé? Ah. Qu'est-ce qui se passe là? L'onction est partie, on ne tombe plus. Il faut dire, on n'est plus béni ou pas. Je connais un grand pasteur du Nigeria. Lui, les gens ne tombent jamais. Jamais. Jamais ne tombent. Jamais. C'est l'un des grands. Les gens ne tombent jamais. Mais les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Ce n'est pas tout le monde qui aura le même type de ministère. Ce n'est pas si un homme de Dieu se tient ici. Il dit maintenant, service de puissance. Dieu va vous toucher et vous ne tombez pas. Oh, il n'y avait pas de puissance. Non. Allez vérifier. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vous êtes bénis. Les portes s'ouvrent. Amen. Hein? Ce n'est pas le judo. C'est pourquoi, quand seulement il y a l'orgueil en toi, tu vas faire le judo. Et un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va tenir ta main. Oh, Bonico. Merci, mon frère. Vous-même, vous avez compris, non? C'est un pasteur qui est en train de critiquer le travail des autres pasteurs. C'est entre eux. En tout cas, maintenant, on va écouter un homme politique qui nous parle de Jésus. Écoutons. Je me suis longtemps demandé pourquoi Jésus-Christ a été tué. Au juste, dans cette histoire publique. Voilà un gars qui multipliait l'eau en vin, dont les gens buvaient et étaient contents. Qui transformait multipliait les poissons et les pains. Les gens mangeaient et étaient rassasiés. Ils prenaient la salive, ils mélangeaient au sable, ils donnaient, ils soignaient la cécité. Les gens aveugles voyaient. Mais qu'est-ce que ce gars a pu faire? Pourquoi on l'a tué? Point d'interrogation. Mais ce n'était pas pour ce qu'il faisait de bien. C'est parce que ce qu'il faisait de bien menaçait l'ordre établi. C'est tout. Et c'est là où vous comprenez les stratagèmes que peuvent mettre en place un ordre établi qui se sent menacé pour détruire ce qu'il considère comme une menace. Ok, les gars. Je ne vais pas faire de commentaires malheureusement dessus. Je crois que chacun a regardé et chacun a écouté. Si tu as quelque chose à dire concernant ce que tu as vu et que tu as écouté, lâche un commentaire. En attendant, moi, je pars d'abord verser l'huile sur les crânes. Dès qu'il est fini, je viens vous donner mon point de vue. Comprenez, non? Voilà mon Dieu là, celui-là qui me donne, qui m'a donné la vie, qui me donne la santé, qui me protège contre mes ennemis. C'est ça mon Dieu. Mais à l'église là, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs dieux à l'église. Portez-vous bien. Bon dimanche. Merci de partager les vidéos hein, pour ceux qui trouvent intéressant. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. C'est toi, Jonathan Franco. Ciao. Voilà les gars, décembre est dehors. Ceux qui aiment ce que Franco fait sur les réseaux sociaux, je vous demande de m'encourager. Il ne vous demande pas l'argent. Pardon, donnez-moi seulement vos marchés, vos cérémonies, les mariages. C'est décembre, décembre des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face de Talon Gousso. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux, venez au studio, vous allez voir. Parce qu'il ne peut pas poster les images des gens sur les réseaux sociaux, c'est interdit. Donc les gars, pardon, donnez-moi les marchés. Et tous les marchés que je vais prendre en décembre, moi-même je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao.